J'ai appuyé un peu vite, mais on pouvait entendre la grande explosion de tout le terrain derrière. Ça a vraiment explosé dans le temps imparti. Alors, une autre machine à écrire, mais elle est totalement useless. Allez, je vais reprendre un peu le pistolet parce que c'est fun. Il reste plus grand chose à faire dans le jeu. It seems you killed Krauser too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing. While you can. Date dialogue quoi. Et le problème c'est qu'on est en plein au cœur de leur campement. Ils sont un peu beaucoup. Un peu plus et c'est du Resident Evil 5. Mister Algo, non hay problema. Damn. Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. Mira, llenanos de pólvora. Aquí está. Sachant que ce truc a une mitrailleuse sur lui, il a pas trouvé plus compliqué à faire. Surtout que le... c'est étonnant qu'ils aient pas entendu un hélico au-dessus de leur tronche, quoi. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup la mise en scène. Pourquoi t'es pas venu dès le début, Mike? Non, réduction budgétaire dans l'armée, c'est dur quand même. Bon là par contre, c'est du Call of Duty qu'on va faire parce qu'on est assisté par un hélico avec mitrailleuse lourde. Oulala. Heureusement qu'ils ont des murs, que la toile de la tente est en béton. Il y a juste à attendre que lui détruise les mitrailleuses. Faut attendre un petit peu. Voilà. Voilà. Il y a juste à attendre que ça se passe comme ça. C'est vraiment pas la partie la plus passionnante. Mais là, on peut se défouler bien comme il faut. Magnum, c'est parfait. Ils ont lu dans mes pensées. Enfin, pas trop, j'espère. Parce que sinon... Bref. Alors, on va continuer par là. Oh, peut-être pas par là. Mike, j'ai besoin d'aide. Oh. Ta gueule. Mike. Putain. Ils arrivent en masse, Mike. Mike, sauve-moi. Allez, venez. Mais comme si j'avais peur de vous, mais sérieux, vous prenez pour qui là? Voilà, il y a juste à attendre. Ta gueule.
goddamn scumbag. Dommage, ils l'ont pas traduit ça. Ça aurait été plus drôle. Essaye encore. Sans tête, c'est assez difficile, on va dire. Allez, lâche quelque chose, voilà. Même si le pognon, j'en ai plus rien à carrer. Quoi? Il y en a encore? Non? Ah, quand même. Tout est en carton ici, c'est dingue. Oups. Wow. Niqué. Ça, ça fait tellement plaisir d'être à bloc niveau munitions, fusil à pompe. Raté. Crève, oui. Ça commence à me saouler, ça. Là, à vous portant, ça doit tellement pas faire du bien. Bonjour. Bah, take care. Moi, je suis protégé, là. C'est survivant, le con. J'ai pas envie non plus de tout gâcher. J'étais juste à côté, mais c'est pas grave. J'ai rien senti. Putain, mais Léon, il est en béton, quoi. Et son le gel qu'il utilise, je préfère même pas savoir ce que c'est tellement c'est balèze. Mélange d'amiante. Non, d'amiante. Mais qu'est-ce qu'il doit utiliser comme gel pour que sa coupe reste impeccable comme ça durant tout le long? Mélange de béton, d'acier, de. Et de mitril quoi. Il a une coiffure en mitril le mec. On va attendre gentiment qu'il vienne. Bien. Venez, viendez. Venez bien. C'était nul. Wow, c'est. Ah merde, c'est lui ça. Non. Oh. Oh. Stop. Ah ouais, je crois que c'est lui. Je vais te jouer la musique. Qu'on joue par chez moi. Yata! Il a peur de rien, Léon. Deux balles, ça suffit. Voilà. La puissance du Magnum, tu peux pas tester. Putain, c'est surpuissant ce truc. 50. Et le. Par contre, le hand canon, c'est encore plus balèze. Et je sais même plus ce que c'est la puissance. Hand canon qui est, je rappelle, le magnum le plus puissant de tout le jeu. Mais qu'on peut débloquer qu'après avoir fini le mode mercenaire à 100% avec tous les persos. Oups. Ça sentait pas du tout le piège à con. Ah. Heureusement que j'ai mon pote avec sa mitrailleuse lourde. Et là par contre ça risque d'être assez chaud pour les avoir. Et heureusement qu'il est mauvais. Crétin. Mike, si tu pouvais exploser ces mecs, ça m'arrangerait, mais beaucoup. Parce que là, je peux pas trop faire face à une mitrailleuse lourde en fait. Ah voilà. Je savais qu'il me servirait encore ce pistolet. Hop là. Puissance de feu hors du commun. Elle est où? Juste en face, ok. Merde, ils arrivent. Soit ta gueule. Voilà. T'attends quoi pour l'exploser la mitrailleuse? Oh Magnum, parfait.
Ces mecs, ils ont la possibilité d'avoir des magnums sur eux, ils s'en servent même pas, quoi. Ouais. Bonjour. Oh putain, il y en a un autre. Ah là, ça commence à être assez chaud. Ah, là, c'est carrément la merde. J'aimerais beaucoup savoir où est situé ce dernier mitrailleur de merde. Mike, tu fous quoi là? Lol. Ah d'accord, il est en bas. Ah d'accord, il est juste en bas en fait. Voilà. Et c'est maintenant que le mec il va envoyer ses missiles quoi. C'est du foutage de gueule mec. Pourquoi il a sauté? Ça servait plus à rien d'exploser le truc vu que j'ai tué le tireur. Excuse-moi de douter sur la puissance de feu de ton hélico, Mike, mais en fait, je vais plutôt douter de ta capacité à t'en servir. Ah non, ça va. Même si je doute que c'était bien Mike. Un soin, parfait. Un truc de soin. En haut, il y a des trucs. Oh, bonjour. Vous auriez pas à tout hasard encore des cartouches pour Magnum? Là, ils sont à fond sur la dynamite ici. Fini. Ah non, il en reste un. Thank you. Oh, Magnum! Oh, c'est génial! Voilà, j'ai assez pour le boss de fin maintenant. Faut aller. Quoi, thank you. En fait, je comprends même pas ce qu'il dit. Je croyais que c'était Take Care, mais non, c'est Take Care. Attends. Ah là, c'est qu'on est pile sur la zone où ça va péter. Ta gueule. Cette fois, c'est bon. Oh putain, merde, 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 merde. Mais Léon, il peut résister à un tir de... Il peut avoir une grenade enclenchée dans la poche et la faire exploser. Ça le décoiffe un peu à la limite quoi. Mais c'est lui qui devrait faire la pub pour les fixations béton. Dope. Mike, tu tires sur quoi à tout hasard là? Ça m'intéresse. Ça c'est toujours bon à prendre. Non mais ça m'intéresse beaucoup là sur quoi tu tires. Je vais quand même recharger histoire de. Tellement la classe quand il recharge. Tel Roland s'en allant vers la tour sombre. Bref. Peut-être pas aussi balèze que Vache dans Trigun. Putain, si on avait le Magnum de Vache de Stampede là. Bah en fait, il y aurait plus de jeu, il y aurait même plus de deal, il y aurait plus rien. Je crois que le continent serait rasé si on avait Vache de Stampede dans ce jeu. Et si on avait Roland, bah... En 2-3 tirs, il n'y a plus d'ennemis du tout. Putain, si on pouvait avoir deux magnums façon Roland, ce serait tellement classe. Mais aussi tellement cheaté. Comment il a fait pour ne pas les voir? Oh.
trop fort. Et Mike, malheureusement pour toi, tu as été trop utile. When we get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. C'est ça le problème, et c'est beaucoup trop utile pour continuer. Mike! Mike! On n'aura vu qu'une main de lui, c'est terrible. Ça c'est de la réplique de héros américain où je ne m'y connais pas. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard. Oh. It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Avec le recul, c'est là que je me dis que les répliques de Léon, parfois, ça fait vraiment trop cliché, un peu lourd quand même. C'est vraiment le bon gars américain. C'est comme si toute l'armée et la fierté américaine étaient réunies en un seul mec. Et combiné un peu avec Candide. Pauvre Mike. Mais oui, ils vont payer. Il y a un truc. Oh, j'ai tellement de munitions, regardez. Oh, je me permets même d'ouvrir les caisses à coups de pistolet. Oh là là. Quand je pense que durant tout le jeu, j'en ai chié niveau munitions et niveau soins. Là, mais je suis blindé. Toutes mes armes, là, sont à fond. Pistolet, fusil à pompe, magnum, j'ai tout à donf. J'aurais pu avoir le fusil de sniper, mais je préfère quand même largement avoir le magnum à fond. Là, il n'y a même plus de trésor à ramasser. Plus grand chose à faire. Oh, qu'est-ce que c'est? Autant pour moi, il y avait un collier de perles sales. La bonne affaire. Leon. You okay? Yeah. Sorry, Ada. Et c'est que maintenant qu'il pense aller prendre ces putains de médocs. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Elle sert strictement à rien, celle-là. C'est une vraie figurante. Et là, évidemment, elle a disparu. Hein. Ah, ça, c'est un autre passage que j'aime pas du tout. Pour ceux qui ont vu mon diaporama sur Slenderman, c'est de là que vient la musique principale. Je trouve qu'on pouvait pas trouver mieux. Ça, c'est peut-être le passage le plus glauque du jeu. Une vieille prison comme ça. Regardez-moi cet endroit, quoi. Une plante jaune. Avec, il me semble qu'il y a un truc là. Ouais. Là aussi. Oh. Ça, je prends forcément. Regardez ça. Ça, c'est l'un des plus gros mystères du jeu. Voilà, et tout le monde se demande ce qu'il y avait dans le sac. Et ça, bien sûr, on ne le saura jamais. Oh putain, merde, je l'ai attiré. Oh putain, j'ai oublié lui.
Bonjour. Bonjour. Je peux faire ça toute la journée. Hein. Allez! Ça commence à me saouler. Ça. Wow. C'est impressionnant de voir à quel point il en a rien à foutre. Mais il en a rien à péter, quoi. Putain. Et c'est là que je regrette la visée thermique. Allez! Voilà! Comme une merde. Et ça, c'était le tout dernier régénératoresque du jeu. Une salle de torture, c'est... Putain, le lavabo, quoi. La gueule du lavabo. Et tout est dégueulasse dans cet endroit. Ah, là, c'est un peu tard pour me filer ça. Ouais, et lui, il était juste dans cette cage-là. Le truc complètement éventré et tout. Ah. Ça, ça fait vraiment Silent Hill, quoi. Regardez. Sac, mais plein de viande, on dirait qu'ils sont. Quoi. Là, ils se sont fait un petit trip. Et si on faisait un truc à la Silent Hill pour cette salle? Allez, les mecs, on fait ça. Putain, on approche de la fin là, c'est... Mine de rien, on est vraiment à la fin là. Les plantes, ça peut toujours servir. Voilà. On va reprendre un peu de pistolet parce que c'est bon. Oui, le pistolet c'est bon. Et surtout celui-là, il est tellement classe. Bonjour. De tension. Oh putain. Aïe aïe. Mais merde. Oh. Tu vas pas me saouler longtemps toi. Ah. Il y en a qui cherchent vraiment la merde dans ce jeu. Ah lui aussi. Bah, j'en ai rien à foutre de vous deux. Mais vraiment rien à foutre. Et surtout toi, mais... Mais surtout toi, j'en ai rien à foutre. Ping. Voilà. On a aussi un là-haut. Ce qui me fait juste chier, c'est... Il est où? Ah, c'est juste ça qui me fait chier, voilà. Oh, mais genre, je peux me toucher de là. Non, en même temps, oui, c'est une arme à feu. Il est où? Il est où? Allez le gros! Putain. Il est où? Bon. Wow, ça a traversé l'autre. Bien. On est bien. Deux balles. La puissance du magnum, les mecs. La puissance du magnum. Vous pouvez pas test. Allez, je vais même me défouler sur un mec avec. Juste un mec. Parce que c'est prestige. Parce que j'en ai l'occasion. Il est où? Il est où ce mec qui gueule depuis tout à l'heure, là?
Ils ont des cris tellement bizarres, on se demande à chaque fois si c'est des mecs ou des filles qui crient. Je vais te foutre un headset, tu vois, toi. Oh, hé, hey, où tu vas? Mais où il va? Il a vu le magnum, il s'est dit, oh, non, non, les mecs, c'est bon, je vous le laisse, moi, je sais ce qui m'attend. Headshot dans ta gueule. Ah, ça, c'est du headshot, mais bien joué, safe, quoi. Ah ah, ça fait tellement du bien d'être à donf niveau munitions. Alors là, il y a des trucs ici. Non. Oh, le tiroir inutile, quoi. Pas mal. Mais non. Bonjour. Raté. De tension. Bonjour. Si je ne m'abuse, il faut d'abord aller là. À moins que je ne m'abuse. Oh putain, des tiroirs inutiles les mecs. Ça va servir après. Ah non, c'est maintenant. Ce mec a piqué la clé. Relou. Ok. Bonjour, je suis relou. Allez là, on est en mode rien à foutre. Il est génial ce pistolet quand on a une cadence de tir élevée. Hop. Opéléon style. Hop là. Ah. Bonjour. Vous avez fini de m'emmerder là? Oh, une clé. Elle vole au-dessus du sol. C'est pas mal comme type de clé ça. J'aime beaucoup les clés volantes comme ça. Des lingots qui ne me serviront à rien de toute façon. Voilà. Là-bas. Alors, est-ce qu'il y a des tiroirs inutiles? Non. Dommage, il n'y avait que deux tiroirs inutiles. Oh, qu'est-ce que c'est? Rien. C'est pourri. Bonjour. Excusez-moi, je vous laisse agoniser vite fait. Voilà. Rien! Oh, les rapiètes! Oh, les esquives, quoi! Oups! Crève! Oh, ce carnage au fusil à pompe! Mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi! Ah, c'est rare les moments dans le jeu où on peut s'adonner à un putain de carnage comme ça. Ah putain, ce que ça fait du bien. Les deux derniers ennemis du jeu. Enfin, non, pas les deux derniers, mais presque. C'est pourri vos boucliers, les mecs. C'est triste quand même les restrictions budgétaires de l'armée. Voilà. Mon niveau de munitions, je m'en branle complètement. Ouh, cadeau. De toute façon, j'ai assez de cartouches pour terminer le jeu comme ça. Thank you.
You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Super vieux. Ah, pour une fois qu'elle sert à quelque chose. Et bien pour une fois qu'elle sert à quelque chose, et bien ça ne sert à rien. Enfin si, vite fait quoi. Mais tire-toi. Pas pressé le vieux. Le truc pas prévisible du tout. Eh ben, impossible d'aller par là. Et Léon, ta gueule. Sérieux, ta gueule. Un petit marchand pour la fin, histoire de dire que bah il est encore là quoi. Encore ? On va conclure après la recherche de moyen efficace, radial, pas gaz. Moyen. C'est con ça. D'accord, en gros mieux vaut crever que d'avoir ça dans le corps, c'est rassurant. Pas de machine à écrire ? Marchand, tu déconnes. Je vais faire une pause maintenant, tiens.